Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On est sur BeamNG Drive et je vous accueille avec une espèce de rupteur qui ne s'arrête jamais. Puisque j'ai activé le mode trafic et au moment où je l'ai activé, apparemment c'est la folie. On est avec cette espèce d'ETK, un véhicule de base, puisque j'ai voulu tester quelques modes, mais ça bouffe énormément d'FPS. Puisque là, je suis déjà entre 30 et 40 FPS, sachant que le mode trafic est assez gourmand, malgré la bécane que j'ai. Toujours est-il, on va essayer de se balader un petit peu. À défaut de ne pas faire du mode trafic Assetto Corsa, bah ça peut être une alternative de venir ici. Voilà, on va essayer de s'extirper déjà. Alors c'est vrai que l'IA est hyper énervée. Et cette ETK, je la trouve hyper sensible à la pédale. Ah ouais, vous voyez qu'ils se sont quand même rentrés dedans, on voit à gauche, à droite. Hop. Alors, je suis avec la souris. Ah ouais, vous voyez, j'effleure, je pose à peine le plat du pied. Et je sais pas, j'ai une espèce de résistance sur. Enfin. Volant qui est aussi gauche-droite, regardez-moi ça. Regardez-moi le bourbier. Courant d'alternateur qui va être morflé. Bon, bref, on va sortir d'ici. Là, il y a du trafic. Ah, ça envoie du steak, hein. Ça envoie clairement du steak, par contre il nous fait quoi lui? Ah oui, la station service et tout, nice. Alors on est sur la map d'Italie. Ah ouais, heureusement qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il m'a foutu ce salopard? Qu'est-ce qu'il m'a foutu ce salopard? Regarde-moi ça. Est-ce que ça roule encore? Ah, il m'a bousillé mon rétroviseur. Et la direction. Alors, c'est quoi? C'est Ctrl R, je crois. Ok, nice. J'ai pris note de vos recommandations de première vidéo. On va l'écouter. Voilà pour taper dedans. Ah, ouais, et c'est la guerre, hein. Alors, j'ai mis conduite aléatoire. Est-ce que ça doit être pour ça? Allez, je vais me garer parce que je sens qu'on va me défoncer la gueule. Parce que j'ai mis dans le paramètre AI aléatoire. Les IA vont suivre des routes aléatoirement. Ah oui, c'est vrai, fuir, ça c'est quand ils cherchent à me rentrer dedans, je crois. Ou poursuivre-moi, je sais plus. Arrêter de trafic. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Sinon, attendez voir. On va peut-être arrêter le trafic et le relancer. Ouais, parce que là, ils n'arrêtent pas de se rentrer dedans. Voilà, on va arrêter le trafic. Trafic, spawn normal. Ok, là ça recharge les bagnoles. J'espère juste que. Attendez, on va se mettre en vue extérieure pour voir. Ok, j'ai vu la voiture jaune se barrer. On va voir si ça. En manuel parce qu'elle a tendance à monter dans les tours. Voilà le petit éclat, le petit P là à l'échappement. La traîne. Sur le volant. Mais la physique, elle est vraiment d'enfer ici. J'essaie de regarder la carte en même temps. Ah, ça freine plutôt bueno. Vraiment dommage qu'il soit vraiment extrêmement gourmand le mode trafic. Après, je sais pas si on peut si on peut l'optimiser. Au niveau des fesses, il y a quelque chose qui s'allume. Ok, bah, vu le temps que j'ai parmi la main dessus,
ça a conservé tous mes réglages, alors qu'il a subi pas mal de mises à jour ces derniers temps. D'après les dires de certains, il devrait quand même mettre un peu plus de boost. Vous savez quoi, on va peut-être pimenter le truc. C'est l'espèce de suivez-moi ou poursuivez-moi, je sais plus. Ouh, on a de l'assistance là, c'est quoi le délire? Attendez voir, on va désactiver. J'étais en quoi, en sport? Là j'étais en normal. Allez hop, désactiver. Aspect off. Ok. Ah ok, d'accord, putain ça rigole pas là. Ça rigole clairement pas. Je vais poser mon clavier. Hop. Ah ouais, on a atterri sur un arbre. Putain. Et on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, mais regardez-moi ça. Nice. Attendez, on va essayer de le mettre en travers ici. Oh, tu parles. Pas d'embrayage. Hop. Putain, mon gars, c'est énervé. Désactiver les gars, c'est quand même quelque chose. Mais pauvre, il m'a pilé. C'est pas évident de la prendre en main ici. Concentrer histoire de rouler propre. Je vois rien. Non, on se tente. Putain. Franchement, on a vraiment pas le droit à l'erreur. On a vraiment pas le droit à l'erreur là. Ouais, c'est beaucoup trop énervé. C'est beaucoup trop énervé la réponse sur la pédale. Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Du coup, on va aller. Ah oui, c'est vrai que comme j'ai appuyé fort sur la pédale, il y a le frein d'urgence qui s'est mis en route. Entendu, hein, honnêtement. Oh, j'aurais peut-être pas dû prendre cette route là, il n'y a pas beaucoup de trafic ici. Ok. Dès qu'on sort de ce bourbier, on va se mettre en mode poursuivez-moi là. Sinon, vous savez quoi? On va redémarrer justement. On va se mettre en mode réapparaître. Voilà, ici. Et on va prier. Parce que là, on va activer du coup. Je crois que c'est fuir. Les IA vont vous. Ah non. Donc, c'est ça. Poursuivez-moi. Et on va passer en mode sport manuel.
là, je pense que je vais devoir réactiver le SP parce qu'écoutez, on entend les chars noirs arriver. Non, c'est pas ça que je voulais. Le SP. Vas-y, on va se mettre en sport quand même. Pas le désactiver complet. Me dis pas qu'ils sont déjà là. Fuis. Ah, ils viennent pour moi là. Allez, fuis, 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 mon salaud. On prend la route le long de la côte. Ah, ça c'est le barrage de tout à l'heure. Ils sont pas bougés depuis. Il était censé me rentrer dedans. Je sais pas si je l'ai surpris. Il a pas eu le temps de réaliser que c'était moi qu'il fallait choper. J'ai bien mis poursuivez-moi parce que là ils ont pas l'air de jouer le jeu. C'est un peu comme le gendarme d'aujourd'hui. Il se cache dans des fougères pour choper en flagrant des nids. Oui, il se passe quoi là? Ouais, clairement, là, ils ont pas l'intention de venir me chercher, j'ai l'impression. À moins qu'il s'est planté. On va quand même vérifier que j'ai bien activé le truc. Ah ouais, c'est bien le cas. Ouais, mais fais pas le poids, c'est dommage. En même temps, j'ai pris une bagnole beaucoup plus puissante que la leur. Ça doit être pour ça. Bon, c'est pas trop grave, écoutez, hein. On va se finir avec une petite conduite. C'était pas trop prévu, mais ok. Pourquoi pas aller se baigner? Reviens, reviens, reviens. Ah ben voilà les mecs qui sont là. Je vais l'emmener dans le Pacifique, je vais l'envoyer au large. Mais merde. Je pensais qu'on pouvait sortir par là. Ah, c'est con hein, quand même d'avoir la barrière. Pouilleux. Hein. Let's go. Bon, en fait, le SP en sport il est un peu plus permissif. Si je peux sortir. Quel salaud il a voulu me. Arrière. Ce serait con quand même de la détruire moi-même. Ouais, apparemment la direction a déjà pris un coup. En même temps, je roule comme un pouilleux. Oh, ça tombe plus en plus. Allez, vas-y, tu sais quoi? J'ai voulu vraiment le face à face. Mais disons qu'apparemment, j'ai eu un peu de chance. Merde! Véhicule. Restaure la position initiale. Alors en fait ce qui vient de se passer, c'est que j'ai mis un coup sur mon clavier, apparemment ça m'a réinitialisé. Bref, on va s'arrêter là, c'était un peu fun. Même si l'IA avait du mal à me suivre avec cette espèce d'engin qui a l'air d'avancer plutôt bueno. Ah ouais, en fait à chaque fois j'appuie sur le bouton sur le clavier, je suis désolé. Bref, j'espère que cette session mode trafic vous aura tout de même plu. On s'est un petit peu baladé avec une IA hyper agressive, moi qui met en évidence l'agressivité qu'on avait sur cette Corsa. Alors on a trouvé pire. Ah, il va en découdre, sauf qu'il y a le poteau qui nous sépare.
Bref, n'hésitez pas à laisser un avis les frérots dans les commentaires. Si vous en voulez d'autres, je vais essayer de tester d'autres bagnoles, d'autres types de véhicules, histoire de créer un peu de dégâts sur ce BeamNG. Et puis je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Lui, il est en train d'exploser son moteur. Et ben voilà. Ah non, pas encore. La fumée, ça a pas l'air de l'inquiéter. Allez, ciao ciao tout le monde.